Bonjour, je suis une petite JOT, même si je suis pas sûre de la mettre en ligne pour sur Valheim parce qu'on va affronter le troisième boss. Hop là. Troisième boss du coup. Cuisiner leur reste. Prenez votre antipoison tout de suite. Tout de suite? Ça dure 10 minutes. Ouais, tout de suite, tout de suite. Mettez-vous à côté. Ok. Mettez-vous full bouffe. Mettez-vous je suis full, je suis à 104. C'est... Et bon, c'est full. Bien, bien, bien. Là, c'est en train de allez, go. Tib. Quand tu veux. Le but, c'est que je prenne les dommages. Vous, vous niquez de loin ou de dos. Mais vous faites gaffe. Ok, il va pop là. Là où je suis. Mets-toi loin. Regarde un peu ce qui se passe. Wouah! Ok, c'est parti. Mazdos, attendez, je vais essayer de le voir un peu de. De près là. C'est bloqué ça. Oh là là, j'arrive même pas à voir sa tête tellement il est dans la brume. La musique est toute basse. Du coup, c'est pas très épique. Oh, je suis dans les marais. Oh, il y a des squelettes. Il gerbe. S'il y a des blocs, focus les blocs. Est-ce qu'on peut, on peut être proche de lui maintenant qu'on a l'antipoison? Alors, ça fait un dot, donc vaut mieux tirer dessus. D'accord, d'accord. Bah, gérez votre vie en fait. Moi, je peux tanker, juste... moi. Faites gaffe à son attaque. Mm. Tu peux tanker? Mm. Vas-y. Waouh! Oh, on dirait une sorte de poupée de chiffon. De poupée de chiffon avec plein de cadavres. On dirait une sorte de. De. Attention. Je sais pas. Du... Ouais, faut que je le sorte de là. De sac mais poubelle j'ai un vie, peu. Donc faudrait que je régène. Ah, je régène pas si. Ah, il m'a tapé! J'étais en train d'éternuer, je pouvais rien faire. Les blocs. Les squelettes. Voilà. Un boss en ASMR. Un peu, ouais. Un peu, un peu. Y'a un hashtag à Bruxelles de 20 ans, non? Ah bah si ouais, mais pas forcément, enfin pas forcément Day One. Et puis comme je dis, hein, comment tu veux l'avoir à minuit en vrai le jeu en matérialisé? J'ai que 52 vies, hein. je peux pas plus. Bah, c'est encore. Possible, mais on va attendre c'est un certaines. Peu. Évidemment, il pleut. Hein, c'est que certains trucs qui sont restés ouverts exprès et tout. C'est pas si je vois plus. Sinon, c'est derrière forcément que le vendredi. Hein. Et encore, faut que t'aies réservé. Tu reviens à pied, tu viens prendre ton cadavre, tu évites juste tout. Il y a encore 5 blocs qu'on peut. Barre-toi, Tib, hein, je peux les gérer blocs. Au pire, les blocs. Il y a des gros sacs oh de ouais, gelée. Ouais, les gros sacs de gelée. Il est où mon cadavre? Il est là. Je l'ai, je l'ai. Ok. Tu reprends un antipoison si tu l'as pas. Oui. Attends. Il te tape dans 1, 3, 2. Ah bah je le voyais pas dans mon. Ok. Bah je vais peut-être. Je sais pas. Peut-être non, non. Revenir du coup. Tu vas. Bah si, tu vas revenir, mais tu vas faire gaffe où est le boss. Et ça va être bon. Oh putain, il fait encore des blobs. Je suis au dodo mais je reste sur live. Bye, bah c'est gentil, des bisous. Des bisous et bonne game. Ok, ça c'est des pop de blob. Il a loupé. Carrefour, je me suis pris l'amiibo à 16€. Ah ok, jamais testé les amiibo encore. Attention Seb, il est sur toi. Je n'ai jamais pris. Attention Seb, il est aucun sur toi. Jeu. Tire le pas vers le cadavre de Lox. On va essayer de... Il y a un nuage toxique sur le cadavre. Ouais, ouais, ouais. Reste loin. Bah, Tib, il est sur toi. Tirer trois flèches. Ok, je m'en vais. Ah, les flèches, ça ne fait tellement rien, les flèches. Hop là. C'est dommage. Ok. 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 Bon, j'ai pris une full baffe, donc je peux plus tanker du tout. Derrière toi, squelette, attention type. Plus les squelettes si tu peux, Seb.
Les Beretti, ah, si je les vois. Un blob à côté de toi, Royal. Ah, je les check, J'ai eu peur. Les blobs sont blobs. Normalement très mal. Ah oui, d'accord. Ah, ils sont vraiment au ras du sol en fait, mais vu qu'ils sont tout le temps dans des nuages, moi je les vois pas. Ok, bien joué. Je peux plus le tanker, j'ai pas assez de vie. Je passe les dots du. Oh, quel bordel, putain, il est trop long celui-là à chaque fois. Il est sensible à la masse, comme tous les blobs, comme tous les squelettes. Il est sensible à la masse. Moi j'ai une épée. Je l'attire, je le body. Mais j'ai pas de masse moi, je vais pas le taper au marteau. Non, mais tu tapez pas en fait. Juste vous tapez pas. Ok, j'ai bloqué, ça c'est bien. Je fais tout le tour du. Viens vers moi. Yes. Je vais t'avoir. J'ai vu ça. Vas-y. Ah oh, merci hein. Ok. Je vais l'attirer derrière moi. Il va se retourner vers moi. Il va cracher. Alors c'est son poison classique. Pourquoi la pluie elle est jaune? Pareil, on se fait pisser dessus par Odin là. Si votre hydromel va drop dans 3 minutes, vous en prenez un. Vous le laissez pas drop. Ok, je m'occupe de pop des blobs. Et des squelettes. Ah, je me prends jamais une petite baffe parce que je suis en train de nager, non? Ça va. Ok, il gerbe devant lui. Oh, j'ai pris une full baffe, ça fait trop mal. Mais non, mais je fais rien, moi. Oui, on lui fait rien. Faut taper la masse, il a du poison et tout ça, c'est un boss sur la longueur. Plus ça va et plus le boss, ce sera ça. J'espère que t'as perfect block parce que sinon, il va se passer un drame. Ah, c'est mieux avec les flèches en silex. Plus que 58 flèches. Moi ça va, oui, s'il faut je t'en passerai s'il faut. Pied. Bien, j'irai couper du bois. Pour en faire. Ah, j'ai encore pris, mais vraiment, vraiment cher. J'ai plus que 20. Ok. Barre-toi, type. Ok, ça crame un peu, je vous vois. Il va gerber devant lui, autour de lui. Ah, je lui fais 5,2 vraiment. Oui, c'est normal. J'ai une flèche enflammée, lui prend un note à 0,8. Hein. Ah, c'est mieux dans ouais, le. Bah, c'est toujours dans ça le de gratter. Hein. C'est toujours ça de gratter. Hein. Oui, complètement. Moi j'ai pas de flèche enflammée, c'est bien les flèches enflammées, vas-y. Hein. Je suis plus dendu. Le mieux c'est la masse parce que je lui mets des 80 au cac, mais le problème c'est que là, je peux pas taper tout le temps parce qu'il faut que ça régène et tout. Tirer dans les blobs en priorité. Attention, type, tu vas prendre un dot. T'es dedans. Refresh votre popo hein. En fait. Bah, vous pouvez pas le refresh d'ailleurs. Faut être frame perfect sur le refresh popo hein, pour pas prendre autre chose. Ok, j'ai pris une full tap donc c'est pas bon. Oh, le dos, faut que je tire dans le dos. Je vais me mettre derrière. Je vais la tirer. Merde, il est sur vous. Parlez-vous. Il passe sur moi. Il gerbe autour de lui. Trop dégueu. Sinon, il a que 3 patterns. Hein. C'est soit il gerbe, mis 9,5 dans les selles. Je crois que son point faible, c'est les selles. Oh, 11,3. Oh putain, là, ça dépèse fort là. Hop là. Oh, 10. Il va lancer une tournée de blob. Pas fou là j'ai mis. Ah 6 là, non, faut que je vise les selles moi. Bon, c'est clean. 9,7, ah non, mais c'est les selles, vas-y, je vise les selles. Je peux vouloir refresh votre position si j'ai envie. Oh, ça va, je suis morte, du coup j'ai refresh. J'ai 40 secondes. Ouais, et on peut pas l'overlap. J'ai 5 minutes, moi. Donc, du coup, faut à 0, faut la remettre quoi. Faut vraiment la remettre et pas l'oublier. Hein. Ok, on est bientôt à la moitié. Je m'éloigne en marchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de refaire une tournée de flèches
Moi ça va. 23. Ouais bah oui, ma cabane oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ira à la base pendant qu'on continuera le kite. Est-ce que l'os ça lui fait plus mal? Pourquoi? Bah il a des sortes d'os qui sortent de son corps. Peut-être ça lui fait plus mal de tirer dessus. Ah et puis j'ai... Y'a un bloc que j'ai pas tué. Yes, c'est parti. Ça, c'est la gerbe normale. Tu voulais tirer. Oh. Ça c'est un coup normal. 11 dans le téton. Si je vise pas, ouais. Franchement je crois qu'il a vraiment une sensibilité au téton. Téton et sel quoi. Vous l'avez en aggro là, pendant que je m'occupe des blobs? Je pense que c'est vrai ce mec. Y'a rien à toi. Oh. Non, t'as pas l'air. Ah évidemment. Ah j'ai pas entendu. Ok. André, j'ai une foule mon enduit, ça me saoule. Je vais rebouffer, hein, s'il y a besoin. Dès qu'il revient, il va relancer ses merdes. Et dès qu'il revient, il faudrait que je lui mette une tournée de frappe au cul. J'ai plus de flèches. Ok, va à la base en fer de 3. Ok. Ok, ça faut les tuer. Le téton encore. Hein. Ah putain, j'ai pris 41 encore. Allez, blop! Non, il va venir vers toi, barre-toi là. Je peux rien, les blocs ils m'ont attaqué. Ok. Moi, je peux me laisser faire. Je vais les tuer vite fait. Ok. Ouais, je peux gérer des blocs. Oh, trophée de blocs. Oui, mais il y en a plein et ça fait non, des. Non, ils étaient 4. Je sais pas où il est. Ah non, il est derrière le crâne. Je gère. Il est de quel côté? Il est orienté de quel côté? Ok, celui-là, je vais essayer de faire le tour. Oh, dans l'œil. Tu veux le garder 2 secondes, type, que je puisse mettre un combo? Yes, il a mis sa papate. Je lui mets le combo. 130, c'est pas mal. Là, t'aurais pu rester la gère. 130? Non, moi, je suis à 11, 12. 8. Je vais attendre qu'il finisse. Faudra gérer ces blobs-là. Yes. Squelette, attention. Squelette et bloc, attention. Viens toi, regarde. Il a foiré son coup. Il va gerber devant. Il y a encore des blobs. Oui. Dès qu'il fait une habilité, faut qu'on... Ouais. J'ai pris trop cher. Bon. Ok, c'est bon, tu l'as pris. Je vais y mettre un combo. Oh le combo. Oh, il ça en fait descend, une. Hein. Je lui en mets encore. Je lui mets. Je pourrais pas tanker plus. Ah oh, oui, ça si tu gardes ça. Il va taper après. Fais gaffe. Yes, bon, j'ai 23 de vie. Normalement, je devrais pas mourir du dot et ça devrait aller. Je peux plus faire je peux plus faire grand chose là. Je peux que vous regarder, Seb. Oui, je reviens. Alors, je prends le TP dans le coin. Ok. Je fais le tour encore avec lui. Hop là, j'ai mis 12. Pas mal. Il a besoin de flèches. J'ai 32 de vie, donc je peux pas faire grand chose. Moi je pourrais aider quand j'aurai repris ma popo. Donc je vais la prendre bientôt. T'as besoin de flèche ou pas? Ça va. Ah. J'en ai marre, je vais faire du dégât moi. Je vais aller TP moi. J'ai pas d'épée. J'y vais à la boxe moi. Ah, je crois que c'est moi. Ah,
suis dans l'eau, je suis dans l'eau. Faut que je retourne le taper. Ah putain, sans le buff en forme, c'est dur. Ok. Ok. Ah, il te tape. Je lui mets un combo. Oh, je suis dans la merde. Il veut lancer un truc, je pense. Je suis dans la sauce. Ouais, il lance. Ouais, il danse un peu. Je vais m'en occuper. J'aurais dû réparer mon arc. Il va te taper la note, je pense. Ouais, ça tombe bien, j'ai plus d'endu. Ok. Faut que ça régène, faut que ça régène. Faut taper là, il crache. Oh, je suis mon pas, j'ai plus d'endu. Clic gauche. Oh, 27. Il faut, alors, il faut que, ouais, qu'il y ait nous mec, quelqu'un qui nous mette un hit. Je sais pas qui c'est qui peut nous mettre. Seb, tu l'as? Moi j'ai pas, alors... j'ai l'aîné. On pourra bûcheronner si vous voulez. Génial. Je vais dans la merde dessus. Ah bah ça c'est bien. Vous avez on l'amène vers un géant. Un géant il le découpe. Je voulais pas prendre la croix, je voulais taper dans son dos. Ok, il gerbe, je vais m'en occuper. Mettre la musique, je suis un peu moins fort là. Ok. Voilà. J'ai pris. Tu fais des roues. Je peux faire des roulades, Rayman, je sais pas si tu savais, je vais me rappeler. Ouais, faut que je bloque une tour roulade, c'est vrai. Sans bloquer, hein. Je crois que tu roules. Ouais, c'est quoi la touche de l'autre côté de sa main. Bah, quand tu fais clic droit. Sauter, je crois. Non, c'est. Non, c'est clic droit plus sauter. Oui, c'est pareil plus sauter. Ah ouais, pareil plus sauter. Waouh. Clic droit plus sauter et tu roulades. Mais le deal, c'est que. T'as besoin d'endu. Ça roule pas beaucoup. J'ai roulade dans l'eau, c'était pas fou. Non, c'était pas. Il va aller sur toi du coup. Non, je le prends. Vous pouvez le finir. Si, il va sur toi. À 100%. S'il te tape, on lui met 3 combos et demi. Il va faire chier. Ok, j'ai roulade, c'est ok. Il est sur toi. Il est sur moi. Il est sur toi. Ok, on a le temps là. J'ai mis tout. Il me faut de l'endu. Il colle des 95, moi je lui mets des 11. Ouais, pareil, elle dégoûte. Il faut s'occuper des blobs. Et je me casse. Moi, si je vois les blobs, je les tue. Je les vois pas. Voilà. Je sais pas si ça touche ce que je fais. Il faut me l'occuper que je puisse y aller. Il gerbe encore, c'est ok. Oh, je suis dans l'eau. C'est pas la meilleure arène. Attends que il va avancer. J'attends de le revoir. Je peux rien faire, hein. Je vais attendre un peu. J'ai pas d'arc. Voilà. J'ai pas d'endu. J'arrive. Ok, ça c'est nickel. Gerbe. Oh yes, il jette un truc. Vous pouvez le gérer. Il gerbe. Parfait, on le finit. Hop. Terminé. Bien joué, enfin, putain. Ok. Bah, j'en ai pris. Je les ai tous pris. Du coup, ce qu'il a donné, je vais vous le filer. Ouais! Et comme on est la nuit, on va aller gentiment à la maison. Ok! Félicitations! Merci! En tout cas, looté là. Alors, évidemment, il y a l'autre con qui va nous dire salutations, guerrier. Eh! T'as vu Mazdos, non? Tu l'as vu, hein? Oui, merci. Merci. Ça fait 30 merci. Minutes qu'on est dessus, là. Au fait, ouais, attention à son poison. Oui, merci. Je vais dire comment faire des isomodèles maintenant qu'on a fait le boss. Tiens, je te file le tien. Tiens. Tu sais ce que c'est. Troisième boss, incroyable! Dracula. Draculox. Moi. Ouais, j'ai un brochet. Super. Pourquoi tu me files des détritus? Et je vais vous passer le trophée. Passez-le à Lox en dernier. Il est un peu gros, ma cabane. Tu le prends. Et en plus, il bouge. Tu le files à Tid. Et tu le files à Lox. Et Lox tira l'accroché. On va faire dodo et puis tirer à l'accrocher. D'accord, j'ai de la gadoue.
Allez, le trophée. Oh, le repeint des pois. Ah, il me fait peur ce trophée. On fait dodo ? Ouais, il est énorme et gigote. Trop bien. J'aime les trophées qui ont un certain style. Les masses sont considérées comme des bâtons dans le jeu. Comment ça ? Bah, le masse, c'est ta compétence bâton. Ah, d'accord. Ah oui, félicitations Martian. Le bâton que t'as au début. On a réussi. Ouais. Eh, c'était... Je pensais pas que ce voilà. serait long. Ah bah, et encore. J'apporte des nouvelles. Ça va pas être le plus long. Ça va pas être le moins long, entre guillemets. Ok. Bon, ça c'est fait. C'est où l'endroit où... Parce qu'avant, le portail, il était là. Il s'appelle Buff, il est un peu décalé sur la gauche. La gauche, là. Ici, là. L'autre gauche, ici. Vous y allez pas ? Non, non, tu nous diras ce que ça fait comme truc. Ok. C'est toi hein, qui t'occupe du lore. Oh, tu es la responsable du lore. Il y en a tellement en plus. Ok. Quoi, le corbac ? Qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, un des os de cet estuaire vivant dans son ventre était un bréchet. Cet os ! De cet ossuaire, pardon. Cet os contient une magie puissante qui peut vous guider à des choses cachées sous la terre. Il peut détecter des filons d'argent, mais peut également vous mener à un trésor enfoui. Ah, c'est lui là. C'est ça. Les gros tas de morve là. Ah, comment il fonctionne déjà, il faut cliquer droit dessus. Ah oui, mais c'est soit la ceinture, soit le bréchet, c'est vrai. C'est ça le truc chiant. Je savais que c'était chiant, mais je savais plus comment. Les popos en trop, vous les remettez dans la grange ? Oui. D'accord. Bah, je vais vous donner le buff. Vous me direz ce que ça fait. Apparemment, ah oui, ça permet de détecter des trucs. Non ? Non, ça c'est le brochet, c'est ce qu'on a eu. Oh, c'est le brochet. C'est le petit item qu'on a eu. L'espèce de soliless là, parce que c'est vraiment un soliless en fait. Viens la royale. Ouais, j'arrive. Ça fait quoi du coup ton buff ? Ah bah je sais tu, pas. Tu hein. nous l'as lu ? Bah je ne peux pas le. Mais c'est marqué sur le. Non, je bah, en fait, sur le tuyau, sur la stèle, c'était marqué. Ah bah j'ai rien vu. La cabane, tu viens ? J'irai le lire. Tu veux le buff ? Eh oui. Oui. Merci beaucoup Stevie, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Ok, on a 5 minutes de quoi. Aucune idée. Je vais aller lire on le peut buff. Pas aller, on peut pas aller cliquer dessus. Mais oui, je voulais. Je vais lire le buff. Je voulais aussi. Merci beaucoup. Merci Stevie pour le prime, c'est adorable. Merci. Un très gros soutien, merci beaucoup. En plus, là, on va aller faire un pilotis pendant 5 heures. Ça va être bien sympa. Moi, tu vois, là, j'ai rien qui est affiché, moi. Tu vois quelque chose, toi ? Oui. Ah, bah, moi, non. J'ai résistance aux dégâts tranchants, perforants, machin. Bah, parce que tu l'as déjà. Regarde sur un autre, par exemple. Moi, par exemple, j'ai pas celui-là parce que je l'ai pas activé, mais il fallait le lire avant. Ah ! Ah, oui, alors oui, il y avait des résistances, ouais. C'était ça, genre. Merci. Merci. C'est... Bon, c'est que des résistances contre les dégâts physiques. Donc, quelque part, moi je dis, c'est sympa pour là où on va. Bah, c'est bien pour les squelettes et tout quand même. C'est bien pour les flèches. Ah, c'est bien pour... C'est sympa là où on va. Ah, il s'en étouffe. Je vais poser mes popos en trop. Spoiler, prochain biome c'est montagne. Faut qu'on fasse le montage. C'est ce qui nous est. Ouais. Hey, genre, c'est quoi de mes trophées là le coffre à trophées il est trop full. Ici là, au-dessus du coffre à trophées il y en a un autre. Au-dessus du coffre à trophées, un trophée. Ok, merci. C'était relou. D'accord.
Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Ah, déjà, je vais... Alors, tu équipes. Tu vas aller au vendeur acheter un bonnet? Tu équipes ton... Alors, équipez, attends, je vais vous faire voir. Équipez votre truc. Équipez votre truc de bréchet. Votre bréchet. Équipez votre bréchet. Vous allez voir, ça pulse. Vous voyez que ça pulse? Voilà. Plus vous en rapprochez, plus ça pulse. Vous rapprochez de quoi? Voilà. Là, par exemple, ici. Hein. Si on pioche ici. Piochez, Seb, piochez. Nice, on va bien niquer notre domaine. Arrête, Seb. L'autre pioche. Oh non. C'est comme ça que j'ai trouvé, hein. Voilà, et là, il y a un coffre, du coup. Et quand on ouvre le coffre, bah on a des... Mais il y a des coffres sous la terre. Stop. Oui. Il y a quoi dedans? Bah regarde. Oh, il y a rubis, il y a perles d'ambre et il y a collier en argent. Et tu vois que ça a une valeur. Cette valeur, tu la revends, enfin, c'est la valeur que va te racheter le PNJ. Oh bah attends, je vais lui vendre. Je vais pas du tout m'acheter un bonnet, vous inquiétez pas. Hop là. Non mais il y en a déjà. De quoi? Un bonnet. Ah ouais? Mais on me le dit pas. Sous l'escalier, il y a tous les trucs achetables sous l'escalier. Et il y a aussi ta canne à pêche. Oh, une canne à pêcher qui a la chopée. Oh, je vais tellement pêcher. OMG. Non, je vais essayer de reterraformer ce truc dégueulasse que c'est de ma fait. Bah oui, ça a tout niqué. C'est bon. Non, tout va bien. Oh, waouh. J'apporte tellement de la joie. Oh, quel bonnet. Ouais, pas à ce point-là, mais... Ok, je vais vendre le collier, l'ambre et les rubis. Ok. Vas-y, fais ça. Vas-y, il faut que je trouve. Montage. Nord-le. Marchand. Voilà. Et donc du coup, bah, go dans le biome montagne. Et go... Alors, ça vous remplace la ceinture. Soit vous équipez la ceinture de poids lourd, là. Ah, soit vous avez le bréchet. On m'a tapé. Et du coup, bah, faut être malin, quoi. Si vous allez dans le biome montagne, oh, il y a des hydromels de résistance au gel. Vous n'y allez pas sans ces hydromels. Vous prenez des hydromels de résistance au gel qui sont dans le coffre. Et de quoi tu t'hydromels, toi? Mais rigolez pas, les gars. Le C'est dur pour moi, vous rendez pas compte? Moi je veux Alstein. Ah non, elle était bien ce de quoi tu t'hydromèles quand même. Merci, ah, oui, oh, merci beaucoup, merci. Bref. Elle crépite de ténérésie. Waouh. Et il ressemble à quoi le marchand? Oh, c'est un tout petit bonhomme. Je vous conseille de l'enlever le whoop dans la base parce que ça va tout le temps whoop. Du coup. Et on y va? Portail montagne et on regarde. Portail montage, pardon. Ah mince. Et moi je pêche quand? Tu peux pêcher maintenant si tu veux. Et nous on va faire un petit coup de portail. Ouais, je vais aller voir quand même un peu la montage. Yes. Ok. Parce qu'il est montage. Il est là, ah. Je crois, montage. Ouais, let's go. Je vais garder ma canne à pêche et mes appâts au cas où il se passe quelque chose, que je puisse pêcher là. Un mec qui woob. Et les autres, c'est des mules. Très bien cette explication, on te soutient à 100%. Merci beaucoup, Stiffy. Qu'est-ce que je fais là? Qui c'est qui woob? Qui woob? Quoi woob? Moi, je l'ai activé, si vous voulez. Le bréchet, ouais. Ok, bah tu woob. Whoop. Et tu vas dans la montagne. Tu vas dans la montage. Vas-y, sans souffre, j'en prends 5, c'est bien? J'en prends 6. Oui. Bah prenez-en, si vous en avez pas pris. Ah, j'ai pris des sous, au cas où on trouve un vendeur, on pourra acheter un goûter. D'accord. Ok. Visiblement, il y a... Ah. Ça woob ou tété, Seb? Non, j'ai pas le woob.
J'ai repris le... Tu veux que je... Bah mets-le, 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 mets-le. Pour l'instant, on a pas encore fou. Tu lâches, tu lâches, tu lâches. Tu... T'as une résistance au gel à me filer, là? Je les ai tout proposés. Ah, y'en a plus? On en a pas? Ah bah, j'ai pas appris, moi. Ah bah tiens. Bah j'en ai pris 5. Là, je t'en donne... T'en as pris 5? J'ai tout donné. T'as tout donné? Ok, tout donné, bah partage avec ça, je vais te redonner 3. Hop, level 3. Merci. Merde. Je t'ai tout donné, Tib. C'est dur hein les gens. Je vous dis que c'est dur. Quelqu'un a un buff genre qui nous fait aller vite là? Moi j'ai le boop. Oui, ah non, moi j'ai la Mazdos moi. Allez viens. Moi attendez. Aussi j'ai la Mazdos, il est prêt donc c'est au cas où. Bah attendez, Lox. Non, ah oui pardon pardon, pardon. Je suis parti moi. Lectir. Hey, j'ai un... Mais moi Lectir. J'ai un bonnet, c'est bon. Je vous oui. mets je vous mets celui-là aussi oui. comme ça. On va pas se faire baiser. On va boxer des. Mettez un woob hein. Mettez un woob hein. Mais moi il est mis hein. Ok, il est mis. Bon bah c'est toi notre lumière et on fera boub boub. Alors je prends déjà tes dégâts, donc je prends ma popo. Ah, je vois déjà des problèmes devant. Moi je vois rien du tout. C'est très désagréable. Moi je les vois. Hein. Ils sont là les problèmes. Ils nous ont vus. Sortez les arcs. Oh, y a des loulous. Et faites des beaux blocages. Hein. Ok, c'est bon. Je vois que les barres de vie. Pas comme un. Et heureusement que j'ai la résistance aux dégâts, hein, parce que. Ok. Appuyez sur R pour recharger mon arc. Est-ce que c'est un réflexe des autres FPS ou pas? Ça whoop ou ça whoop pas du coup Ça whoop pas, hein. Pas. Ça whoop pas. Normalement, on le voit nous. Ah moi, je glisse. Hein. Faut que je l'active ou ouais, il est. Mais des raquettes. Parce que moi, il est bien mis en bleu, mon truc qui fait whoop whoop whoop. Mais voilà, c'est bon quoi. Quand j'aurai besoin de faire d'autres. Ouais, bah vas-y, on va se balader, on va se balader. On va se balader, on va se balader. On se balade, hein. Balade, je vais me balader. On me balade, moi. Peut-être un petit peu plus haut. Je vais boxer un cerf. Ah. Regardez en haut à droite, en haut à gauche. Regardez en haut de la montagne. Y'a un truc qui vole. Y'a un bon, on va aller le voir. Allez. On va aller lui dire bonjour au papillon. Hop là, je l'ai eu. Faites gaffe au loup et s'il vous attaque, faites un beau blocage. Ça aussi, faites gaffe au drac. Hop là! Mais je le vise trop bien, t'inquiète pas, moi je gère tout drac là! Ok, je vais vous filer, tiens, Seb. Je te file le pack devant Seb, refile à Lox. N'importe quoi ce qui se passe. Si vous commencez à geler, c'est que vous devez reprendre de l'hydromel, évidemment. Ok, ça a déverrouillé pas mal de. On m'a filé plein de trucs, hein, j'ai rien compris, mais machin. Ok. Oui, oui, c'est normal, ça fait pas mal de. Je l'ai pige derrière. Monter là où je suis, devant là, ici. Ouais. Non, mais j'ai pas. Bien, okay, je monte sur moi. Non, mais je vous fais voir. Vous sautez ici, là, sur le côté, et vous sautez tout droit. Voilà. Saute, 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 saute. Pas à gauche, oh. À droite. À droite, vraiment à droite. Ok, t'as plus d'endu comme t'es là. Oh, bah oui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Squelette niveau 1. Ok, vous sautez à droite, à droite. Sinon, à droite, on peut pas droite, coller le tronc contre la paroi pour l'escalader? Non. Bon, je passe, je fais le tour, moi. Mais mets une roquette dans ton bouclier, sinon. Ouais. Mais voilà en plus pour redescendre après. Vas-y, mon loup s'en bat. Ça boue pas là où tu es, Lox? Non. Ça boue toujours pas? Non, ça boue pas. Ok, on fait le tour de la montagne vite fait pour voir si ça boue. Ah, ok, vas-y, vas-y. Vas-y. Mais pourquoi moi j'arrive pas à monter quand toi t'arrives à monter? Attends, je suis fatigué un peu là. J'ai un peu d'endu. Je suis fatigué un peu. Yes, 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 yes. Passe un yes, bon moment là. Yes, j'ai l'impression que tu stagnes. Non mais ça boue pas, c'est bon. Alors, hein, du coup on va devoir aller dans les grands. Faut que je l'active et désactive peut-être. L'enlever, le remettre. Non, non, mais. Oui, si tu veux. Mais le woob est mis, donc. De base. Ouais, mais je sais pas, détecter les objets cachés. Bon, on va faire. Oui, on va faire le tour de la montagne, du coup. Viens avec moi. On va descendre. On va faire le tour. Avec moi, tu me dis si ça boue. Oh, on me saoule. On n'a pas des chaussures anti-glisse? On n'a pas un petit peu de caoutchouc là? Non, mais c'est ok, c'est ok. Pas besoin, y'a pas besoin. Ça boue pas, hein?
Y'a pas des nouveaux arbres à couper? Cours, je te dis cours. Je crois pas. Suffit les nouveaux arbres. Là y'a une grotte. Mais je veux couper. Mais je veux couper. Mais je veux couper des arbres. Couper. Ouais, c'est qu'une chambre funéraire classique. Pas fou. Oup, oup, oup. Oup, oup. Assassin de la police. Non, je lisais le manchat. Ah, j'ai pris une flèche. Eh bah viens, on va là-bas, il y a des... En plus, il y a des... T'es où? Des loulous. En fait, je te vois pas, moi. Ok, il y a deux loulous. Bon, regarde sur ta minimap. Ah, mais moi, je suis rentré dans la grotte. Je suis sorti, elle est intéressante. Là. Ça, vous voyez mes trucs. Et je vais mettre ma cam plus haute. Ça, vous voyez mes trucs. Voilà. Je me rends compte que c'est pas ouf. Ok. Bon, bah ça veut dire qu'on a des loups sur le même continent où on est. Donc, tu penses à ce que je pense, Steve? Pas du tout. Bah on va les apprivoiser. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais ça va, ça, ça a super bien marché avec des sangliers. Qu'est-ce qui se passerait avec les loups? Les loups sont forts. Ouais, bah du coup c'est bien quand ils vont s'énerver contre nous, ils vont être bien forts. Non. Comme les sangliers quand ils te fonçaient bien dessus là. Ils seront drossiles. Oui, comme les sangliers quoi. Non, les sangliers sont... Sanglier c'est plus sauvage quoi. Plus indomptable. Bon, ça whoop pas? Mais tu le vois de toute façon! De toute façon, tu vois! Bon, ça whoop pas. Allez. Non, mais non. Y'a que de la neige ici, y'a pas de trésor. Barre. Et on va aller chercher du whoop dans une vraie grande montagne. C'est pas fou ici, hein. Tu peux te balader partout dans le monde. Là, tu peux essayer. Genre, si tu reviens à pied à la maison, en passant par là où tu es, ça va whoop dans les forêts, dans les machins. Tiens, bah, essaye d'aller là-bas. Là-bas, là. Coucou! Voilà. Généralement, dans les trucs, entre les dolmens, là, ça peut whoop. Ah, il a déjà été poussé. J'espère que ça va. Peut-être. Parce que j'ai pingé là. Ah, il y a un truc de la cabane là. Faut que j'aille là où c'est pingé. C'est quoi? C'est culture. Je vais me mettre dans mon lit demain boulot. Bah, disons, bon courage, petit surf. Vas-y. Je vais noter ça. En tout cas, le serveur il est toujours nickel. Ça whoop là. Ça whoop derrière toi. Tu l'as vu? Bah, ouais, mais ça a commencé à whoop. Donc, je pense qu'il faut que j'avance. Non, ça whoop plus là. C'était Woob plus fort par ici, peut-être. Ah. Ouais. Ouais. Non, par là, peut-être, là où je suis. Pas mal ici, je pense, non? Pas non, à fond. Pas assez vite. Ah. Ah, là, c'est très à fond. Là. Ah! Il m'a mis un coup de pioche! Ah, j'ai le coffre. Ouais, je regarde ça dedans. Vas-y, 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 regarde. Je suis full en fait. Ah oui, d'accord, je prends. Attends, je vais jeter. Ce que j'ai noté, ça marche pas. J'ai un caillou et j'ai un de bois, je les jette. Et j'ai aussi des yeux là, nuls, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je veux le détruire en fait. Ah oui, comme ça, ça brille plus? Je sais pas si ça marche, ouais, voilà. Voilà. C'est bon, ça a marché. Ça fait plus wouboub. N'hésitez pas à détruire vos coffres à coups de pioche. Aïe, les potes. J'ai un troll sur moi. Oh, bah du coup. Pète-lui sa gueule. Un troll. Bon, t'as compris le principe du wouboub. Il y en a un peu partout comme ça. Je connais le wouboub. Tu te balades partout. J'ai compris le principe, mais dans les montagnes, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Eh ben, dans les montagnes, on aura donc ce qui nous permettra d'avancer par la suite. Mais là, c'était une trop petite montagne pour qu'on puisse en avoir. Visiblement, faut qu'on aille dans des montagnes. C'était pour avoir de l'argent. Il y a des loulous. Il y a des loulous. Et les loulous. C'est bien. Il a été fait celui-là. Il y a un truc où vous êtes, les potes? Du coup, on arrive? Non. Non, non, j'en ai. À part un troll, là. Je le vois se balader avec son arbre. Il y a des sages, j'ai pas de thunes. Ouais, c'est un peu. Oh, j'ai mis une gros crit. Tuez-le! Il est mort!
Ok. Le chat, si ça fait des trucs bleus sur mon perso, ça veut dire qu'il y a des trésors, alors faudra crier. Des fois, moi, je m'en rends pas compte. Crier, quoi. Ouais, bah, s'ils l'écrivent dans le chat, je le lirai que plus tard. Alors que s'ils crient très fort, peut-être que je les entendrai d'où je suis. Ah oui. Hop là. Regardez-moi. Regardez-moi ce repeint des bois. Ouais. Ça va être tout noir. T'as un portail retour, Seb? Non. C'est pas moi qui l'ai détruit. Bah, est-ce qu'on l'a détruit, celui de secours? Le royal, je pense pas. Hein. Ouais, donc il faudra... détruit, je ne sais pas, mais des cochons détruire, peut-être. Passer par Mazdos. Oh. Bah, après, tu... On remonte sur montage. Hein. Montage, ou P2. Bah après, là, on est en mode de nuit. Tu veux qu'on rentre à pied? Dans les coins, quoi. Tu m'as entendu là? Ouais, un peu. Bah, rentrer à pied, tu peux faire beaucoup de goob en attendant, quoi. Tu vois moi, je gèle, moi. Hein. Eh ben, tu prends de. La bière! L'hydromel du gel. Mais j'ai eu peur de confondre avec un autre truc que j'avais dans mon inventaire, puisque je connais pas encore bien trop. Alors, j'ai pris un truc et j'ai vu des lumières et je me suis dit, merde, j'ai peut-être pris un truc qu'il fallait pas. Royal, ça boupe pas, hein. Bon bah si ça vous passe, c'est qu'il n'y a plus de secrets, on ira autre part. Dans les prairies, il y en a quelques-uns. En moins ? À chaque fois dans les prairies, dans les espèces de... Dans les cercles de dolmens... Bah comme on avait à la maison là où il y avait le truc là, l'espèce de cercle où il y a des petits dolmens, des trucs comme ça là. Réponds à la rêve de ton mec, forcément. Oui. Mais c'est... Même si c'est une rêve, on le fait pas trop. Bah va dans les prairies, va explorer, fais des trucs, va pêcher. Mais je sais. Après un bonjour avant, ce serait sympa aussi. Tu peux pas mourir de rien du tout, c'est ici pour avoir le aller au portail. Regarde. Et tu peux pêcher. Ah oui hein. Tu as des appâts, tu as le truc, c'est ouais, à toi de découvrir comment 100. Ça marche. Je me souviens plus. Donc débrouille-toi. Il y en a 200 je crois, un truc comme ça, des appâts. De quoi? Ouais, c'est ça, il y avait deux stacks. Boxe tu en arbre, t'en prends 100, tu prends la canne à pêche, tu vas pêcher dans ta petite maison, tu fais ce que tu veux. Mais là je suis toute seule dans la montagne. Ça n'est pas grave. Non mais je veux rentrer à la maison. Bah il est là le portail. Oui bah en fait moi je vois un ping très lointain. Et j'essaie d'y aller et il disparaît, du coup je me fais attaquer par des dingueries, des trucs. Mais non, tu cours plus vite que... Ah bah non, hein. Ceux qui m'empoisonnent. Mais non, ils t'empoisonnent pas. Ah si, mais je vais empoisonner. J'arrive, j'ai une rêve de rrr. Obligé de répondre direct. Je comprends. Une fois j'avais vu. Je sais plus dans quel event. Des streamers jouent ensemble. Il y en a un qui sort, il va faire tout noir. Et dans le chat, forcément, ça spam ta gueule. Et le truc, c'est que la personne qui a dit il va faire tout noir, le streamer, avait pas l'air de connaître la ref en fait. Il a dit il va faire tout noir, peut-être parce qu'il avait déjà entendu dire cette phrase, mais sans savoir que c'était une ref. Et du coup, il commence à regarder le chat en disant « Mais pourquoi tout le monde nous dit ta gueule ?» Il était désespéré. Et du coup, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on se dit souvent. Il va faire tout noir et le ta gueule qui va après. Mais si t'as pas la ref, forcément, ça peut paraître bizarre, très bizarre. Et surtout, je pense qu'à force de l'entendre dire, il y a des gens qui effectivement le disent sans avoir la ref. Donc ça m'avait fait rire, j'avais vu un clip de... Je sais plus du tout quel streamer c'était. Je saurais pas dire. Mais ça m'avait fait rire. De voir en mode, mais... Pourquoi tout le monde nous dit ta gueule? Mais vous arrive quoi le chat et tout? Voilà. Je vais le virer. Non mais je crois que je vais rentrer à pied. Je sais pas où est le portail. En plus, il fait nuit, il y a plein de mobs qui apparaissent. Alors, le portail, tu es dans ta map, tu as un petit icône de portail, genre là où j'ai pingé. C'est vraiment un petit icône de portail. Oui, allez.
Bon, ça va plus ouvre au moins ça. Ça attire le tout. Ah, ça c'est un portail, je croyais que c'était une tombe. Sur la map, je croyais que c'était un truc pour dire eh, quelqu'un est déjà mort ici une fois. Le trollolol. Qui serait possible. Ça serait possible. Et en plus, il fait nuit et là, je suis exactement sur l'icône et je vois pas encore. Ah, il doit être dans la zombie. Ah je ouais, c'est ça. Je pense que ça va woob en bas de chez nous aussi. Oui. N'oubliez pas que, sauf si vous partez à l'aventure, prenez des bouffes un peu plus merdiques. Oui, je vais poser les bouffes. Je vais en mettre d'autres. Les bouffes merdiques, c'est genre carotte, miel. C'est les trucs infinis, quoi. Carotte, miel et un truc à la con. Je prends un truc à poseille. Et je pense que maintenant, les poissons vont en avoir illimité parce qu'il y en a une qui va pêcher. Ouais, je vais pêcher! Je suis enthousiaste. T'as réussi à faire un petit boubou de fer, Kim? Glande gelée. Un vrai boubou de fer parade. Je pense que ça correspondrait. Je mets où ma glande de gelée? Trop de dans loup. Les coffres en bas. Oui, bah mets dans les coffres en bas, ça va être. Bah, ils sont tous full. T'iras les coffres. Non, non. Ah, le dernier il est pas fou. Ah, il y a des appâts ici. Ok, je prends de la bouffe, je prends de la bouffe. Hop, je prends. Prendre ça. Les champis, c'est ça, je peux prendre? Non, peut-être des baies. Je vais prendre des baies, il y en a plus. Bon, bah, moi, les gars, je vais devoir faire de la construction. Donc, si vous voulez partir dans une montagne, faites-vous plaisir. Ok, moi, je vais un peu faire de trucs. Toi, tu dois pêcher, toi. Moi, je dois pêcher, moi. On passe dodo. Oui, on va faire le dos, tiens, c'est vrai. Ah, les carottes, j'ai dit, on en a un illimité. Hop là, voilà, je prends des bouffes un peu pour grave. Ibu, il s'est fait carottes des petites lampes de chevet. C'est vrai? Ouais. Oh, ouais. Il s'est mis des petites lampes de chevet. Oh, c'est trop pipou. J'ai peur dans le noir. Bon, sache que ton bonnet de Noël est apporté rien. Hein. C'est virtuel, la pêche, le swag, s'il te plaît. On n'oublie pas le plus important. Ça sert one shot par un loup. Elle est vite fait. Non, ils m'attaquent pas parce que ils se disent ah tiens, elle a un beau bonnet. Hop là. Prenez pas trop de tension à pêcher. Distance. Il fait tôt là. Il est tôt, je vais pêcher. Sur vous. Casser le portail royal ou je ne sais quoi pour vous faire un retour si vous partez en excursion. Il y a une montagne, alors il y en a une très basse, une très haute et très bien, celle qui est là. Elle est très haute et très bien et vous pouvez atterrir ici. C'est pas mal aussi. Oh putain, oh toi je vais te pêcher. Il y a un petit biome sympa pour atterrir genre ici là où je ping. Si vous atterrissez là, vous pouvez aller au biome montagne très très facilement. Ah, là j'ai amélioré ma compétence de pêche. Pas loin du... C'est une très grosse montagne ça? Bah je... Ah, j'ai un poisson. Elle me paraît déjà plus grande que la nôtre, elle me paraît déjà bien plus grande que la nôtre. La fatigue. Ça veut dire que... Bah ça veut dire qu'il faut aller mettre un portail genre... Chris perdu quoi tu ris? Pardon. Ici. Ah, il y en a déjà un là. Ah oui. C'est vrai qu'on en a un là. Est-ce qu'on peut l'avancer? Ah ouais, mais c'est de la montagne. Ouais, c'est un biome casse-couille. Après, ça grimpe vite là. Ouais. Après, ça grimpe bah, pur, ouais, faudrait aller là. Parce qu'au moins, on est sûr de jamais se faire attaquer dans la plaine. Et mettre un portail. Ouais. Je vais le créer à la base. Voilà là-bas. Là c'est bien là. Je vais l'appeler Grande Montagne. Je vais le créer à la base. Si quelqu'un prend un set de portail. Je fais une pause là, moi je reviendrai tout à l'heure. Faire un petit tour là-bas. Ça marche. À tantôt. J'ai les yeux qui piquent un peu. Les yeux qui piquent. Elle va te détendre dans les paupières.
Du coup, je vais prendre de quoi aller te faire un portail là où t'as pingé. Alors, ouais, et fais le tour, passe par le portail où il y a notre dracard, où il y avait notre dracard, donc il est plus là, notre dracard. Notre dracard est à côté du marchand, où il y a marqué bateau, ou... je sais pas si vous avez vu. Il y a un biome pas gentil à côté du dracard, donc on va le laisser là pour le moment. Il y en a un autre à la maison au cas où. Mais si tu fais tout le tour, là où a exploré toi par Myrtille, Caf Troll, et que tu vas ici, Seb. Ouais, faut que je prenne quel. Ouais, portail. Mais je vois. Ok, on va faire un vrai lancer. On va voir. Une cassée. Bah, le portail. Il doit s'appeler. Je crois qu'il était là. Comment je il fait pour avoir les yeux qui piquent alors qu'il fait beau? Bah, sûrement parce que ces deux éléments n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. J'ai le poisson! Un Seb. Oui. Arrête! Hop là! Du coup, tu me dis, faut que je prenne un portail. Okay. Qui soit pas loin de ça. Alors, attends. Non, parce que je le vois arriver gros comme une maison. Accouche-toi, Seb. C'est quoi ces lancers pourris? Mais comment? Non, mais j'ai pas ça. C'est qu'ils étaient tout proches de moi, alors je faisais des petits lancers pour les attirer. Attendez. Parce que vous voyez, ils sont juste là. Donc je vais pas faire des grands lancers. On est dans un jeu vidéo. Pour lancer exactement, il y a le poisson. Je l'ai appelé montagne avec une majuscule. Alors, tu as un set de portail sur toi? Ouais. Comment s'appelait celui qui était ici? C'était ton portail, Seb? Il s'appelle Seb? Non, le mien il est de l'autre côté. Comment s'appelle celui qui... Attendez, je me concentre. Surtout que les poissons sont bileux. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Faut que j'attende peut-être? Attendez, j'attends un petit peu. Peut-être qu'il faut... Là, il y en a juste à côté, là, vous voyez? Mais il bouge pas. Voilà, alors là, c'est nickel. Ah, je crois qu'il est sur mon truc, non? Ok, je vais faire un vrai lancer. Le premier lancer était bien. Voilà. 26 mètres. Ok. Massi a fait sa première truite aujourd'hui. Oui, j'ai cru comprendre effectivement qu'elle avait pêché sa première truite aujourd'hui. Bah, félicitations. Moi, j'essaye de faire comme ta fille, là. Pas aussi doué qu'elle, je crois. Oh, là-bas! Mais oui, attendez, faut que je mette là-bas, je crois. Au bout de 2 heures, elle en avait marre, c'est long pour elle. Ça va 2 heures, je trouve, quand même. Je veux dire qu'elle s'y soit... Enfin, voilà, parce qu'elle est petite, quand même. Ça va, hein. Je connais plein d'adultes, ils se concentrent pas aussi longtemps. Hein. J'y arrive pas. Est-ce que j'ai bien un pas, là? Ouais. Il est bugué celui-ci, non? Alors si j'y vais. Ah, il est bugué ce poisson. Faut pas que j'essaie de l'avoir. Voilà, je l'ai débugué. Je suis gentil. Je vais aller pêcher à un endroit différent. Alors je vais goumer lui qui me gonfle. Parce que j'entends ses ronronnements là.
Lui, il va m'attaquer. Voilà. On a fait place nette. Ok. Oh, c'est bon là! Merde! Je ferais les boxer eux pour augmenter ma compétence à main nue. Poisson pané, mais le poisson bugué. Bon, j'ai eu un poisson pour le moment. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Attendez. On va faire un. Voilà. Hop. Voilà. On regarde pas là où il y a des poissons spécialement. Elle a 5 ans, elle m'a fait rire, elle a pensé que le poisson direct que tu lançais, hop, t'en avais un, bah oui, normal. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais c'est peut-être juste mon appât. Il y a un poisson là. Ouais, j'ai encore pêché un brochet cette fois. C'est bien. Avant de parler de tes ex comme ça, Lox, il y a plein de gens qui sont patients. Ouais, il y en a plein qui le sont pas. Mais pas besoin d'essayer de faire référence à ma vie privée pour ça, hein. J'ai plus endu, c'est mort. Il s'est perdu. Ah merde! Ah, pas de ses ex, mais de ses modos. Par exemple. Ah, mais j'ai toujours ma prise! Ah non, je l'avais plus, putain. Mais ouais, j'avais plus d'endu. Je vais faire une vanne. Bah même pour ça, faut que ça ait un rapport. Une vanne, ça se construit, hein. Ça se lâche pas comme ça, en mode... Bon, on va voir, ça passe. Ça se construit. Mais oui, j'ai bien compris que c'était... C'est pour le lol. J'avais de la pêche avant avec mon grand-père, c'était cool. Ouais, c'est beaucoup un truc qu'on faisait quand on était petit avec parents, grands-parents. Enfin, quand on a l'occasion de pouvoir en faire. Parce que pas selon où on habite et voilà, et où on... et les parents, les voilà, les personnes de notre entourage, bah, y aura pas forcément l'occasion. Hein. Mais j'aurais jamais assez d'endu. Mais j'aurais jamais assez d'endu, attendez. Manger une carotte. À 32 d'endurance, ah c'est pas mal. Fais chier, j'aurais jamais assez d'endu. À chaque fois que j'ai une prise, mais l'endu descend tellement vite, c'est ridicule. Là, il y a un poisson qui arrive sur moi. J'ai pêché. Ah non. Les poissons, ils viennent dans mes bras. Moi, j'ai rebondi pour transformer ça en vanne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je l'ai construite. Ah, faut pas que je tire quand le poisson tire fort. Et sinon... Voilà, là par exemple, faut pas que je tire. Et là, je peux tirer un peu. Non. Et là, le poisson vient à moi. Et là, du coup, hop. Ah, je l'ai pas eu. Oh putain. Moi j'ai pêché mais je faisais de la pêche en mer sur un petit bateau. J'ai déjà fait ça aussi. Il y a fort fort longtemps.
J'ai un moche qui fait des caresses. Ouais, j'avoue, le poisson. Alors, super chiant, elle pèse dans le jeu. Putain, mais je la comprends pas en fait. Et là, j'ai plus d'endu. Du coup, c'est mort. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse mieux. Bravo, Lox, pour ta déduction. Non, mais vraiment, un truc qui va pas. J'ai plusieurs fois la même prise. Du coup, à force de la perdre et de la reprendre, ça va peut-être le faire. Hein. Hop là, prise perdue. Mais là, du coup, je régène mon endu. Puis je remonte. Oh, mais j'ai plus de poisson. Ça va être très chiant. Elle va encore dire qu'elle a pêché un poisson alors qu'il se jette sur le rocher. C'est de la pêche, hein. Désolé, chacun sa méthode, c'est tout. Je connais rien à la pêche. Ah, j'ai des bonnes déductions, je sais pas, je... Mais en fait, je comprends pas comment ne pas complètement niquer totalement ma part d'endurance en pêchant. Ça, je comprends pas. Je vais mettre ma cam de l'autre côté. Ouais, je vais mettre ma cam de ce côté-là, parce qu'il y a tout le temps un truc de dialogue qui s'ouvre, je sais pas pourquoi. Donc quitte à ce qu'il y ait un truc qui s'ouvre, bon au moins, avec ma cam, je le cache, ça gêne un peu moins. Voilà, là, il y a du poiscaille là-bas. On va retenter, on va retenter. Faut pas que je jette trop loin, en fait. Ah merde! J'ai fait essayer, faut que je fasse clic droit. Il y a un poisson, là, hein. L'âme sonnée. Prise perdue. Mais je comprends pas. J'attire les poissons de très loin. Pour Ah, il y en a qui va venir, il y en a qui va venir. Quel enfer la pêche! Faut sentir le regard sur le bord. Achève-moi! Je vais bien me mettre dans l'eau là. Ça, je pourrais peut-être le ramasser à la main. Salut, acronyme! Ah là, il y en a qui va venir là. Ah, je titille. Une titille. Pas du tout. Hein. Il est complètement parti à l'opposé. Coucou! Coucou! Hello, Pipouk. Merde. Bon, attendez. Tourne les poissons. Là-bas, ça bouge. Là-bas, ça bouge. Mais non, pas Peggy 18. Arrêtez. Ok. Là, je mets des à-coups. Là, j'attire la truite. Ah, coucou. Et faites-moi penser dans 15 minutes, 14 minutes, c'est l'anniversaire de Royal. Voilà. Un plot de signalisation sur la tête. Mais. C'est. Mais. C'est mon bonnet! C'est mon bonnet parce que j'apporte la joie. C'est mon bonnet. Mais... Il a coûté 100 balles au moins. Donc t'as un bonnet. Oh merci. Ok, bon on va aller ailleurs. J'adore mon perso quand il... quand il a canne à pêche dans les mains et qu'il bouge. Il bouge comme ça. En mode un peu penaud. Allez! Bon là, il y a des poissons buggés. Je vais essayer de les débugger. Ah là, c'est bien là. Et si je les ai comme ça?
marche pas. Bon, bah je vais faire débugger. Voilà. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et pas en avant? Je ne sais pas. J'imagine que c'est pour éviter de faire un impact sur le casque. Sur le masque, pas le casque. Le masque de plongée. Sinon il tombe dans le bateau. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne cette blague. Ça passe comme une chère. Ah vas-y viens te suicider toi. Ça je pourrais dire que j'ai pêché plein de poissons. Vas-y je me mets à 5 mètres. Bon c'était peut-être un peu... C'est le plus pratique avec les palmes. Et le poids des bouteilles. Ok, ça semble logique. Effectivement, déjà, quand tu as des palmes, tu vas pas plonger comme ça en piqué. Parce que, bah, c'est compliqué. En avant avec les... Ouais, non, j'avoue. Mes degrés, ouais, je veux dire. Attendez, là, il y en a un qui arrive, là. Ça me sonnait, ok. Ah, là, je remonte. Ah vous voyez, là ça, mon endurance elle baisse moins doucement, moins vite. Mais elle baisse quand même très vite. Je vais pas l'avoir. Oh, je sais. Petite strat, je fais comme ça. Bon ça prise perdue, trop pas. T'es juste là, je l'avais, ça dégoûte. Bonsoir silence. Il venait et puis il est parti. Il va me sonner là, il est juste là. Non. Attendez, je fais un tout petit lancer. Hop là. Là, je vais l'avoir là. Un peu moins petit. Oh l'enfer. Eh, c'est l'enfer sur ce jeu, la pêche. J'ai réussi à pêcher un poisson à frère Ariel pour son anniversaire. Ce serait bien. Le fruit de mon labeur. Je vais faire moins proche. Mais je suis obligée de faire très proche aussi parce que sinon ça me baisse trop mon endu. La musique du lobby de WoW Classic là, d'un coup. Comme ça, 8 mètres, pas du tout à 8 mètres. Il manque de Pimon quand tu pêches, non, jamais. Dodo. Ah mince, excuse-moi. Tu vas faire dodo, ma capane? Non, mais juste dans le jeu. Ah oui. J'arrive. Il est déjà dans le lit, Royal? Non, il fait un AFK. Ah, mais il est déco. Ok, on s'en va. Oui. Oui, pour pas que la maison se fasse attaquer. Oui, c'est bien. La vitesse à laquelle ton endu baisse, c'est par rapport au niveau de poisson. Il y a 3 niveaux de poisson. Ok. Niveau 1, c'est Baby Shark. Niveau 2, c'est Shark Navo. Niveau 3, c'est Cthulhu. C'est méga. C'est quoi le film de... Bah, le film sur le mégalodon, il s'appelait quoi? Mégalodon? Méga Shark? Méga. Quelque chose comme ça? Ah, mégalodon, je crois. Ok. On va y arriver. Je poursuis mes efforts. Facile la pêche, hein.
Non mais la musique elle fait vraiment penser à WoW je trouve là. Magikarp aux sirènes Léviator. Bah j'aimerais bien avoir un bébé Magikarp là. Ok là j'ai à me sonner. Ah ça va là. Oh 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 attendez attendez. Ouais j'ai ferré une perche. Mes deux autres poisons ils étaient venus se suicider sur moi. Donc bravo. Mégalox, Mégalox donc. Cthulhu, c'est Cthulhu dans le cul. Ouais, ouais, Cthulhu dans le cul si tu veux. GG, incroyable! Ah, c'est trop. C'est... Ça demande beaucoup d'endurance. Hein. Ouais, je vais me sonner. Tu le demandes beaucoup. Ça va le faire, ça va le faire. Oh non, je l'ai perdu. No, 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 no. Un poisson chopé, 68 317 restants pour la journalière. Bon, je level up en tout cas, au niveau pêche. Qu'est-ce qu'on peut ? Je pense que à force d'avoir un meilleur niveau de pêche, ça me demandera moins d'endu peut-être d'en pêcher. Enfin, de pêcher tout court. Ou pas. Lox nourrit les poissons là. Je leur donne juste gentiment mes appâts. Le gros poisson. J'attends. Là, ça titille, là. J'attends, j'attends. Oh, il est gros, celui-là. Peut-être que je vais faire au moment où il fait... Hop là, j'ai hameçonné. Il est beaucoup trop... Beaucoup trop balèze. Je vais essayer de faire comme ça. Je pense que c'est ma meilleure strat. Merde, la ligne a cassé. T'as vu, je trouve au début des coups en enduit. Ouais! Pour cette raison que se poser sur un banc de poissons, c'est pratique. Bah là, finalement, c'est un peu le cas. Non, bon, je sais pas si c'est un banc. Je sais pas si c'est comme un banc, mais en tout cas, il y a du poisson là. J'avais vu qu'effectivement, on n'avait pas partout comme ça. Toujours la pêche, est-ce que je vois? Mais tout à fait! Et toi, ma cabane, est-ce que tu as la pêche? Oui, je vais m'avancer un peu, je vais peut-être me mettre sur le bâtal là. Pour remonter, ce sera mieux. Je serai plus proche d'eux. Celui-là, il s'intéresse. Prise perdue. Eh, c'est bon, il était là, là. J'avais juste à tendre le bras, wesh. Ça dégoûte. En pêche, mais est-ce normal que le poisson sorte de l'eau et lévite au-dessus de l'eau en bout de volcan tandis qu'il glisse lentement vers toi? Écoute,
de passer à travers les sols pour quitter la dimension. On est sur un poisson multidimensionnel. Après tout, on n'est pas sur un plan, on n'est pas sur le même plan astral que les humains, tu vois. Parce que on est quasiment au Valhalla là. Au Valhalla, voilà. Du coup, basiquement, les poissons qui sont là sont aussi probablement des poissons presque divins, tu vois. Allez, il y a cassé, prends une canne à pêche sans fil. Tu veux que je pêche en Bluetooth? Là, j'ai un bon spot, là. Juste, il faut que j'arrive à attraper. Là, je bouge plus. Là, ça va arriver. Ça arrive pas du tout. Oh celui-là. Toi, j'ai Thompson, toi. Comment ça, prise perdue? Mais c'est pas possible, ça. Sur cette pont à la plancha, le poisson divin. Technique de pêcheur reconnu des poissons. Poisson Valhalla multidimensionnel, je pense. Écoute. En tout cas, ils ont quelque chose de spécial pour être là. Oh, lui, je l'avais quasi. Un bon pêcheur doit toujours avoir le ventre plein. Ouais, c'est vrai, là, je crois qu'effectivement, mon perso, il a faim. Joyeux anniversaire royal. Et il faut toucher son nez aussi, mais surtout bon anniversaire à Royal qui est AFK, là tout de suite, mais qui arrive. Ah, oh, Grision, il a pensé direct, bravo. Bon anniversaire Royal, trop mignon. Ah mince, il est AFK. Non, il est là. N'inquiétez pas. Il meurt aussi. Eh ben, anniversaire! Bon anniversaire! Merci. Et alors, ça fait quoi de vieillir? Merci. Oh, j'ai fait rébrocher perle d'or. Waouh! Je vais t'offrir un poisson d'anniversaire. Attends. Je l'ai fait sur Discord. Oh, bravo, merci. C'est mignon. Merci pour lui. Trop chou. Tu souffles un petit peu dans ton micro, Roy. Désolé. C'est pas. Tu es où? Je vais t'offrir un poisson d'anniversaire. Je vais peut-être pas me courir. Mais c'est super dur, en vrai. Non, c'est pas super dur. Si. Mais non. Ah si, si, si. Par contre, est-ce que tu aurais des idées pour une forme de maison pour un stockage assez grand? Carré. Ouais, non, mais... C'est pas beau. Exactement, ça va être trop ça. Ah, du stockage, maison, de toute façon... La tour de Londres. La tour de Londres. Tu fais la tour de Londres. Non. C'est là où il y a les, tous les bichos de la famille royale. Merci beaucoup Cassius Moulou pour le raid. Une grange, on a déjà une petite grange. Mais merci dans le chat, tout ça, anniversaire, tout ça. Merci. Un parking on propose. Une grange, un entrepôt. Ouais. Le parking est fait. Parking, bon. La grange est déjà faite. Une petite grange. Le parking c'est le quai. La grange est une petite grange. Mais il me faut un grand truc. Il souffle dans son micro pour éteindre les bougies, c'est ça. Il y en a plein des bougies là dans la maison, j'essaie de les éteindre. Mais non, ma part d'Angelis, comment ça? Le chat, joyeux anniversaire royal. L'OXCV, tu souffles dans ton micro, wesh. Non, excusez-moi, c'est. Je lui dis. Eh, je lui dis gentiment en plus. On se le dit mutuellement. Elle a pas dit wesh, elle a juste dit connard. Hein. À tout mon parnasse infernal. Non, mais please. T'étais sur quoi, Cassius Boulou? Effectivement, si vous avez des idées de... Je suis pas sûr de celui-là. Mais...
idées de bâtiments pour du stockage en masse. Faire comme une bibliothèque, mais sauf que c'est des bâtiments. Sauf que c'est du stockage. Dans le marais, on a trouvé des navets à planter. Des navets dans le marais. Des recettes en plus. Des navets. Retro gaming sur Dawn of War. Putain, je connais pas du tout Dawn of War. Dawn. Personne. Tu connais toi? Oui. Ce poisson, j'aurais jamais. Tu connais Dawn of War. C'est quoi? Tu es. Bah, je suis. Non! Dawn of War, c'est le truc de Warhammer. Je sais pas quoi, Vico, il a. C'est horrible. Ah, c'est le nouveau Vermintide là? Bah, oh, je dis ça. Non, il me semble. Dawn of War, il me semble. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est un Warhammer. Et c'est le dernier Warhammer RTS, quoi. Un RTS, un truc à la. Bon. Oui, non, mais large, faut. Age of Empire. Oui, mais voilà. C'est quoi Warhammer 40k Dawn of War en gros 40 000, ouais. Ah, d'accord. Je pense, non, c'est pas ça si, je sais ça. Pas. Un RTS sorti en 2003. Le chat, confirmé. Voilà, c'est, RTS, voilà. C'est du coup de la licence Warhammer Casus Boulou. Ah non, Warhammer sorti en 2003, effectivement. Je connais 2003, pas. Hein. 2003, donc on ose pas. Hein. Une statue géante. Oui, ok. Une statue géante de Royal pour son anniv. C'est une bonne idée, ça. Mais c'est. Ça tombe bien, on a à peu près 10 ans à perdre sur le jeu. Il y a plein de joueurs de Dawn of War et tout ça, mais c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais il y a plein de joueurs, il y a énormément de stratégies à faire, des conneries comme ça. Il est assez propre, le jeu, mais pas mon style. Pas mon style. C'est pas ton style. Attends, regarde, j'ai pêché un gros poisson. Style. Hein? Attends, c'est lui? Oh, avec ton bonnet. Rocher, perche. Tu maîtrises un peu la canne à pêche ou c'est dur? Hop, ici ça. Ici cela. C'est un peu dur parce que, bah. Ah voilà, lui il est gros. Lui j'ai failli pas l'avoir. C'est un peu dur parce qu'il faut vraiment beaucoup pex pour avoir l'assez dendu. Ah d'accord. Sinon, en fait, vraiment, quand je chope un poisson, je ferre, mais ma barre dendu, elle fond. J'ai cherché. Chercher une comparaison. Cherche le style et le machin. Elles font comme que... vieux sous canicule, quoi. Un entrepôt en forme de maison de vacances sur pilotis. Non, laissez ma maison de vacances sur pilotis qu'il faut que je finisse. Je vais finir. Bah maintenant, on est en période de farming. Vous avez un farmer dans les montagnes. Port et des bateaux, mais pas de chantier naval. Bon bah, les chantiers, c'est quand c'est pas fini. Nous, on a fini. Ça peut servir d'entrepôt. Bah il y a déjà de l'entreposage de matières premières ici. Bah il nous faut plus grand, il nous faut beaucoup plus grand. Avec un... Comme neige au soleil, ouais, avec, c'est trop pareil. Voilà. Et dans l'entrepôt... Comme de la rillette, tu as un radiateur. Ouais. Ouais, je sais vraiment pas comment le faire, l'entrepôt. Bah faut qu'il ait plusieurs étages, faut que tu fasses une tour, je pense. Non? Non, je pense que ça va jurer si je fais une tour. Un peu, ouais. Donc du coup, faut que je fasse un truc. Deux étages, c'est bien. Non mais ça va, si c'est super large, ça va pas être beau. Forme. Non mais ça va se fondre dans le truc, ça va être bien fait, y a pas de souci. Tu fais un bâtiment construit autour d'un grand arbre. Et on fait au milieu un joli jardin. Tiens d'ailleurs, j'ai planté un pin. Un pain que tu regardes pour faire ta maison dans l'arbre. Ouais, bah déjà faut que je finisse ma maison sur Piyoti. Hein. D'accord, mais regarde le pain. Tu peux clairement faire une maison dans l'arbre. Alors je sais pas comment ça va faire, mais. Et le bateau, vous le réparez en pleine mer? Sûrement. Alors, pour réparer le bateau, il faut une table. Il faut une table. Il faut une table, donc ça veut dire qu'il faut être. Un établi. Oui, quoi, oui. Je répétais au cas où ils entendaient pas. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on doit être près d'une berge, poser la table, réparer le bateau, reprendre la table, et voilà quoi. Donc en pleine mer, pas trop acronyme. À chaque fois, ça va être vu qu'on a un peu d'idées selon où on va, au moins de côte. Et ben, le but ce serait de se diriger vers une côte, de se poser, ou un îlot, ou un truc dans le genre, de mettre la table, réparer et partir.
Parce que t'as dit pas besoin de chantier naval parce que le bateau est terminé. Non, j'ai dit que le port était terminé. Bah, chantier naval, c'est quand t'es en train de construire quelque chose. Mais bah, quand t'as fini de construire, c'est plus un chantier. Juste là, pour réparer, on a besoin d'un établi et un marteau. Hein. Mais bah, on va pas faire toute une construction pour un établi et un marteau. C'est un peu... Après, tu peux le réparer. Tu peux on le réparer. Faire toute une construction pour un portail. Hein. Ouais, mais là, c'est un peu plus classe. Non, mais c'est bien, Seb. Vas-y, éclate-toi, justement. T'as pas fait beaucoup de construits, donc éclate-toi. Oui, mais c'est pas RP. Ah, un chantier, alors, c'est RP, mais est-ce que vraiment on a tous envie de voir un chantier en pleine nature? Je sais pas, tu vois. Genre, je veux savoir ce qui est encore moins RP, c'est les tables les de fabrication. Les portails, c'est qui pas RP, par exemple. Qui sont planqués sous le quai, hein, pour faire en sorte de pouvoir réparer absolument partout. Ah ouais, bien joué. Bah oui. Bah oui. Bon. Là, c'est pas RP. Hein. Là, on est bien. Voilà. Le reste, c'est ok, honnêtement. Oh non ! Quoi ? Oh. Yeah. Mais j'ai cassé un truc, mais c'était pas le bon. C'est que pas je grave, répare. C'est pas un entrepôt en forme de triforce. De triangle, du coup. Ouais. Un phare alors, bah, un phare pour entreposer, c'est pas le... Alors, en fait, le but, c'est pas juste de faire une construction pour en faire une. Le but, c'est le phare de faire un endroit où entreposer plein de choses et le trouver une forme, une manière de le fondre dans le décor. C'est pas juste de construire un truc pour construire un truc. Sinon, bah, effectivement, là, dans ce cas, il ferait un projet en précis, quoi. Un hôtel de ville. Bah, un hôtel de ville, c'est un bâtiment, quoi. Je veux dire, ça ne dit pas trop la forme ni le style. C'est comme dire, tiens, tu devrais construire une maison. Ouais, mais quelle forme, quel style, quel genre. J'ai bien raté. Bien raté. On compte sur vous, hein, pour nous dire. Bien raté. Mais si, avec un comptoir et des commissaires priseurs. Bon, on va arrêter de demander son avis au chat, je pense. Is okay, le chat, on est avec vous. Mais vous êtes adorable. Ils comprennent pas tout, je crois. il va faire nuit, je crois. Une yourte. Ah ouais? Ah, c'est mignon ça, mais je pense qu'on peut pas faire de trucs un peu en tissu. Une yourte, c'est surtout un tissu. Ça sera pas en tissu, mais une yourte, c'est le projet rond, comme ça. Ça sera un peu chiant pour une salle des coffres, mais... ce serait faisable. Bah, en réalité, il y a pas 50 000 solutions. Bah si, justement, en fait, il y a plein de types de constructions dans le monde. C'est juste que le but, c'est d'essayer de trouver un type de construction qui change un peu un style, limite. Même pas forcément une forme, dans le terme vraiment forme. Plutôt un type, un style, une idée, un nouveau, un truc, quoi. Une maison longue chez les Vikings, ouais, ouais. Bah après, t'as des maisons aussi avec des traits au toit où tu pourrais faire beaucoup d'étages, peut-être. On peut construire des sérénités, yeah. La maison longue, c'est vraiment un projet assez grand et costaud. Est-ce que tu pourrais faire un truc style presque temple, éventuellement, avec des colonnes et tout, c'est possible, non? Ouais, mais ce serait un projet en pierre. Ouais, tu veux un projet en bois. Là, le but, c'est plutôt du et bois. Là, c'est bois. Le projet en pierre, ce sera plus tard sur la colline à gauche, là où je t'ai fait voir la dernière fois. Quand tu voudras faire un châtal. Ouais, un châtal ou un truc un peu costaud, quoi. Mais je veux qu'il soit loin de notre petit village actuel, quoi. Ah, tu le veux pas ici? Non, je le veux dans la zone. Mais genre tout droit là-bas, quoi. Tu vois, là où il y a les arbres devant moi. Au bout de la butte. Et salut, là où il y a le cerf, fait. Là. De quoi? Là où je flingue le cerf, là. Bah voilà. Bah tu voulais pas faire un château ici, justement? Si, justement. C'est ah oui. Et pourquoi on le commencerait pas et comme ça le bas servirait d'entrepôt? Le haut, je sais pas. Non. Bah parce qu'en fait, il y en a pour deux jours de ferme de pierre. Mieux, c'est de faire plein de carrés rectangles au sol et de les faire s'entrecroiser. Tu rajoutes quelques arrondis pour varier sur un côté et boum, t'as une construction totalement unique. Je vois à peu près.
Et ça fait des bugs de texture quand on les fait croiser. Ouais, c'est vrai que le jeu est pas très permissif, c'est pas les Sims non plus. Mais après, c'est vrai que jouer avec la forme comme tu le dis, Bebop, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que du coup, tu pourrais faire chaque... Enfin, tu pourrais spécialiser chaque petit carré dans style, comme un style de... Genre, tel endroit, ça va être matière première, tel endroit, ça va être matière du haut mob, tel endroit, ça va être trésor et trophée, tu vois? Non, je pense que je vais la faire d'un bloc, parce que ça va être trop chiant aussi. Est-ce que je fais sur Minecraft? Oui, mais Minecraft, c'est vraiment très permissif, Minecraft, y'a pas de soucis. Là, je te garantis que... Le jeu, il est pas très permissif. Tu peux pas mettre un bloc en l'air et te dire bon allez, on va faire ça. C'est... Bah... Mais après, ça dépend aussi de la taille que tu veux. Sinon, ça va être tour, hein. Parce que si, imaginons, tu veux faire ça là où t'es là, ce sera un entrepôt assez petit. Tu vas être obligé de passer, de faire un truc un peu haut. Et limite au sommet du truc un peu haut, une lumière un peu, genre une grande lumière, un truc, peut-être une déco. Je sais pas s'il y a moyen de poser, je sais pas, de faire quelque chose avec les trophées qu'on a pour faire une statue. Je sais pas si, j'ai pas trop vu, j'ai pas l'impression. Oui, mais justement, oui, mais ça va être fait dans Chaptal. J'aurais pas assez de place pour tout faire, entre guillemets, ici. Là, toi, il me faut juste de l'espace et ensuite. Avec des poutres en fer, ouais, bah ouais, il faudrait. Faudrait farmer le fer de fou pour un truc comme ça. Quand je disais se croiser plusieurs formes, c'est juste une couche au sol, histoire d'avoir ton plan au sol. Là, ton plan de maison sur un bloc d'auteur. Ça dépend de la taille qu'il veut, parce que un bloc de hauteur, ça suffira pas. Enfin, deux blocs, du coup, pour un étage, quoi. Un petit géranium, oui, on va mettre de petits géraniums. La pissenlit, ça va? Ça va. On peut. Bah, il y en a un juste devant la maison. Juste là, un petit pissenlit. Là, c'est vrai. Pas que des bêtises. Ouais, il y a un petit pissenlit juste devant la maison. Ouais. Et il repoussera à chaque fois aussi. Est-ce que tu veux un coup de main? Non, ça va, je vais. Tu veux un coup de masse? Attends, regarde. Parce que ouais, sinon. Ah oui, c'est vrai, elle freeze celle-là. Après, tu peux faire un bâtiment ouvert. C'est ton spécial, celui-là. Ah non, ça, c'est le classique. Un royal. Attends, je crois que Lox elle a pas vu. Attention. Waouh. Fais ton clic middle souris. Bah ça fait rien. D'accord, ok. Waouh. Là ça marche. Ouais, moi, mais là ça marche. Oh. Et moi. C'est très lent hein, comme swing. Oui. Ça fait rien, clic middle souris, toi, Lox? Non, avec la canne à pêche, ça fait. Non, c'est pas ça que je voulais. Sinon, oui, je disais, tu peux faire un bâtiment peut-être essentiellement ouvert, pas avec des murs partout, mais un côté un peu colonne et tout. Je pense. Je pensais faire un style, tu vois. Tu vois les croisillons comme ça? J'aimais ouais. Bien moi les croisillons comme ça. Donc, ouais, faire que ça. Partie croisillon, machin bidule, etc. Attends, y'a quoi? Et je fais ça. Voilà. Est-ce que je vois? Construction. Oh, il est tellement limité en construction quand même. Non, pas trop. Quoi. Ah si, y'a rien. Oh, t'es médisant.
Non mais c'est un peu comme un dessin sur Photoshop quoi, tu fais plein de formes sur ton premier calque qui s'entrecroisent et sur ton second calque tu ne gardes que l'extérieur et hop, t'as la forme de la maison. Oui mais enfin là on fait pas un dessin. Là on n'est pas en une dimension. Du coup bah je comprends pas trop quoi. Là en fait si on pose un mur c'est un mur, c'est pas un dessin, c'est pas un tracé. Oh c'est mignon ça. Oh, j'aime bien. Normalement il y a le... Non mais ton mur tu peux le casser. Un truc comme ça, tu le laisses pas et tu fais genre un truc qui vient au sol, genre une poutre qui vient au sol ici, mais elle nous gêne si j'en fais une ici. Pour repasser la charrette et des conneries comme ça. Donc, du coup maintenant il y a un bois au-dessus, ça m'énerve. J'adore la masse. C'est bon. Tu peux couper les arbustes avec. Tu mets plein de murs de 1 de haut pour esquisser la maison. Bah, ce sera ça de toute façon, oui, effectivement. Je vais devoir faire mini truc sur pilotis puisque le terrain n'est pas tout à fait plat. Donc... Après, mais il est plat nulle part le terrain. Je rembourrerai peut-être dessous, je regarde. Je veux pas abîmer mes dolmens. Mais après, faut savoir que selon ton idée, si j'arrive à m'illustrer ton idée aussi, il y aura beaucoup de coins et de trucs comme ça dans ton idée. Vu que ce serait comme... Bon, on va essayer. Plusieurs formes entrecroisées, machin. Mais pour du stockage, c'est pas fou. Pour du stockage, c'est pas fou, parce que le but, c'est d'avoir de l'espace libre. Enfin, d'avoir de l'espace facile à combler avec des coffres. Des coffres de 2 de large. Donc voilà. Ah, il fait ça. Il fait l'entrepôt. Oui. Tu sais, toi. Hein. Oui, vous savez tous, mais sauf nous, parce que nous, on ne dit jamais. Du coup, je te raconte. Chaque fois qu'il y a Thibaut qui est là, tu dis ah, toi, tu sais, hein. Toi, tu sais, hein. Tu sais, toi. Bah, c'est un bordel, hein. Sup. Je sais que c'est un bordel. Tous les secrets. Ouais. Pas jalouse, hein. Ah bah c'est juste que j'ai compris que du coup, okay. Nous on n'était jamais mêlés à tes conversations, mais ça va. Mais bien sûr. C'est ok. Je vais te laisser vu que moi je sais pas. Tac. J'ai cherché avant du matos. A plus, petit Stiffy. Les zoubis. Non mais... Merde, je veux pas ça. Oh, ça va être dur. J'ai ça, j'ai du bois du coup normal, mais il me faut du bois pas normal. Dans les hauteurs. Hop. Elle marche bien au départ quand tu fais les coffres au fur et à mesure et que tu agrandis petit à petit. Ensuite tu mures en reliant chacun des îlots. Ouais mais c'est pas joli quand tu fais croiser trop de planchers. Ouais ça c'est vrai. Mais Seb je reconnais. Je l'ai vu avec mes pilotis aussi, c'est pas fou. Tu veux du bois robuste. Des trucs en biais et tout. Ouais si t'en as. Ah bah là j'en ai pas sur moi mais je peux aller en chercher. Tiens, au fait, Seb nous a fait un portail tout petit peu. Vers la grosse montagne. Je vais demander. Là, il est en train de faire un petit truc là-bas. Bon, je le mets là parce que je sais pas quoi en faire, c'est comment faire. C'est celui-là. Hop là. Tout à fait. Et du coup, je vais faire mon pioti, moi. J'ai terminé ta toiture. Ah non, pas du tout, je l'ai même pas rentamé. Donc un portail, j'ai fermé, mais nous avons quand même un petit accès aussi à l'extérieur. Non, j'ai pas du tout repris parce que bah, du coup on a fait le boss, après on était à la maison et tout ça, et je me suis dit que j'allais l'aider pour sa construction.
Mais il fait son truc solo, tant pis, je l'aide pas. Ah ouais, j'avais tout laissé en plomb. Hein. Pour la grosse commission, pense à faire un trou. Je me suis démute au bon moment, je crois. J'aime bien, je me suis démute sur ta grosse commission, j'aime beaucoup. C'est ah bah oui, vrai. Mais si t'arrives au mauvais moment aussi... Non, c'est le meilleur. C'est carrément le meilleur. Bon, voici ma maison sur pilotis, encore en chantier. Nous allons la continuer. Mais du coup, je vais dire bisous à la VOD. Au revoir VOD.